Salut, bienvenue dans cette vidéo pronostic Ligue des Champions. Je vais vous parler des deux demi-finales allées qui vont se jouer mardi et mercredi entre le Real Madrid et Chelsea et le PSG qui va recevoir Manchester City. Alors avant de passer à l'analyse de ces deux matchs, je vous rappelle que je donne également des pronostics par email tous les week-ends. Pour les recevoir, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien pronostic offert. Passons tout de suite à l'analyse. Le premier match qui va m'intéresser, c'est le Real Madrid qui reçoit Chelsea. Alors le Real s'est qualifié assez facilement contre Liverpool. Liverpool méconnaissable cette saison avec beaucoup de blessures et ne devrait même pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Concernant Chelsea, ils se sont qualifiés en battant Porto. C'était un peu plus disputé que pour Madrid-Liverpool, mais globalement c'est une qualification méritée. Ce sera le premier face-à-face -face entre ces deux clubs en Ligue des Champions. Il y a eu des rencontres au préalable, c'était en 2016 mais pour une compétition qui se déroule hors saison, ce qui s'appelle la Champions Cup. Donc le résultat, on va dire, est insignifiant. Concernant Madrid, il y a toujours Sergio Ramos qui est absent avec une blessure assez grave au mollet. Il y a également Federico Valverde qui a contracté le Covid-19 et qui est en isolement. Plus récemment, Ferland Mendi. Et il y a également des incertitudes concernant Tony Cruz et Lucas. En revanche, l'attaque, elle, sera bien au complet avec Benzema et Hazard qui fait son retour, alors qu'il n'a joué que 10 matchs de toute la saison. Madrid est en forme puisqu'ils sont invaincus en 17 rencontres. Ça remonte au 30 janvier dernier. Mais on peut remarquer ici que lors des 4 derniers matchs, eh bien, il y a eu 3 matchs nuls. Et ça a tous été des matchs nuls 0-0. Au championnat, Madrid est au coude à coude avec. Atletico qui est en train de peiner et qui va peut-être se faire coiffer sur le poteau. Alors tout reste ouvert, même Barcelone est à égalité de points avec le Real. On a donc ici une fin de saison passionnante en ce qui concerne la Liga. Au niveau de Chelsea, maintenant il y a un seul absent, c'est Matteo Kovacic. Chelsea est également en forme puisqu'il n'y a eu que deux défaites lors des 22 derniers matchs. Alors les deux équipes ont montré des défenses relativement solides ces dernières semaines et je pense que pour ce match, Chelsea va l'aborder de manière prudente et je ne vois donc pas forcément beaucoup de buts pour cette rencontre donc en ce qui concerne mon pari je vais partir sur un moins de 2,5 buts à une cote ici de 1,68 on est sur Betfair et si vous faites des paris combinés on pourrait faire un pari assez safe avec le moins de 3,5 buts à une cote autour de 1,2324 qu'on pourrait combiner avec un autre pari et puis ici si je pars toujours sur le fait que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. On pourrait également tenter un score exact. Pourquoi pas 1-0-0 à une cote ici à 9. Ou alors le 1-0 pour Madrid à une cote de 8. Ou même le 1-0 pour Chelsea à une cote ici à 10-50. En répartissant nos mises sur ces trois paris. C'est quelque chose je pense de tout à fait jouable. Bien sûr avec une mise raisonnable. Et sur le moins de 2,5 buts que je vous ai donné, je miserai maximum 2% de mon capital. Alors maintenant je m'intéresse à la grosse affiche de ces demi-finales allées. PSG contre Manchester City. PSG a réussi la grosse performance de cette Ligue des Champions en éliminant le Bayern. Et Manchester City s'est défait de Dortmund relativement facilement avec un score de 4 buts à 2 sur les deux matchs. Au niveau du face-à-face, -face, eh les deux clubs se sont déjà rencontrés en Ligue des Champions. C'était en 2016. Et c'était Manchester City qui s'était qualifié avec 2-2 au premier match et une victoire 1-0 à Manchester. Le PSG va bien en championnat, même s'il n'est plus premier après la victoire de Lille contre Lyon. Donc là aussi, comme en Liga, c'est très disputé entre les trois premiers et tout est encore possible. Au niveau des absents, il y en a uniquement côté PSG. Il s'agit notamment de Rafinha, Le Tellier. Marquinhos ou encore Bernat qui lui est out pour la saison Mbappé a pris un coup lors du dernier match contre Metz, bon, il est sorti quelques minutes avant la fin du match, a priori rien de grave, il devrait débuter le match contre Manchester, alors justement Manchester, eux, il y a beaucoup moins de suspense en première ligue puisqu'ils ont 10 points d'avance sur le deuxième Manchester United, donc là c'est quasiment gagné Manchester est en forme, et ils n'ont pas d'absent, donc un banc bien garni qui pourrait faire la différence, alors j'ai longtemps hésité sur le pari à placer sur ce match. Je voulais au départ jouer le nombre de buts et finalement je me suis orienté ailleurs. Je vais donner un léger avantage à Manchester City mais en pariant sur le match nul remboursé, 6 victoires de Manchester City. C'est un pari que je donne assez régulièrement sur YouTube. Et pour placer ce pari, eh bien, je conseille de le faire manuellement en deux fois. C'est-à-dire si votre mise et de 50 euros. Il suffit de diviser vos 50 euros par la cote sur la victoire de Manchester City ici à 2,18. Ça vous donnera le montant à placer sur la cote à 2,18. Et le montant restant, vous le placez sur le match nul ici à 3,90. Et vous aurez une belle cote à 2,13 pour un pari qui ne peut être perdant que si le PSG l'emporte. Et sur ce pari, je miserai au maximum 1,5% de mon capital. Alors pensez à me laisser en commentaire vos pronostics sur ces deux rencontres, je vous répondrai et vous dirai si vos paris sont risqués ou plutôt safe. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes mes futures vidéos, pronostics et conseils paris sportifs que je publie chaque semaine. Je vous retrouve dans quelques jours, en attendant, bon pari à tous.